Alors le Bois des Merveilles, donc aussi une des premières cuvées que j'ai créées quand je suis arrivé au domaine. Donc une dominante de Grenache avec un peu de Carignan et de Mourvèdre. Donc sur des Grenaches avec un peu plus de maturité, donc sur des vieilles vignes de garrigue. Mais l'idée, c'est de faire des vins qui soient plus longs que larges, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas jouer trop sur la concentration, mais plus sur la finesse et la fraîcheur. Toujours le même esprit. Voilà.